Bonsoir, bon après-midi, merci d'être venu. Une très très courte introduction. Vous voyez autour de moi des artistes collègues qui vont faire le vaisseau, qui vont me faire décoller dans l'espace pendant 25-30 minutes à peu près. La performance s'appelle faire confiance à la technique des autres. C'est dans tout ça. Le sujet, le rapport avec aller dans l'espace, faire confiance à la technique du vaisseau et tout le monde qui a travaillé pendant des années. Là, c'est faire confiance à un vaisseau vivant. Il faut que vous savez une chose, c'est très important. Ces personnes-là ne se connaissaient pas il y a 2 jours. Et ils ont été ensemble pendant 2 heures. Et c'est tout. Donc, c'est en dehors du fait que c'est une performance, c'est aussi une expérimentation en auto-organisation que vous allez voir. Et donc, il faut avoir un regard complice et bienveillant sur ce qu'on va vous présenter. Voilà. Je vais commencer à lancer le streaming parce qu'on on va rencontrer des personnes qui sont à distance. Ce n'est pas de la vidéo, c'est des personnes à distance. Ça sera la première chose et après... Bon. Enjeu stratégique. Au-dessus de nos têtes. Accès autonome. Coopération. Puissance. Développer un programme au service de la science, au service du développement, au service de l'homme. Étroite collaboration. Programme civil et militaire. Donner naissance à des applications commerciales et à une politique industrielle destinée à structurer la filière.
Ne pas cesser de rêver, ne jamais cesser de travailler, de chercher, de convaincre. Être visionnaire. Ne pas abandonner. Devoir continuer. Offrir le rêve. Ce serait une folie de renoncer à la dimension humaine. Se projeter vers des nouveaux espaces. Accès libre et indépendant. Préserver à toute force la capacité d'accès. Mieux comprendre les lois. Relever les défis de ce siècle. Accumuler un capital exemplaire et irremplaçable. Être déterminé à préserver, mais surtout à développer. Pas de solution de facilité. Ne pas sacrifier le futur. Demander des efforts. L'intérêt, une priorité. Efficacité volontariste. Exemplarité. Folie. Constance. Puissance d'entraînement. Donner un nouvel élan. Décider d'être le meilleur. Pas d'immobilité, pas de surplace. Aucun échec. Maintenir l'avance. Surveillance de notre écosystème. Protection environnementale. Protection des ressources de la planète. Là-bas, dire qu'il y a pas le son d'Igor. Investissement dans l'avenir. Quelqu'un doit aller, c'est la dame qui fait la vidéo. Application civile. Application de défense. N'a pas ignoré la partie militaire. Explorer l'espace. Ah,
Victor et Planeur et Indépendance. Réciprocité. Avoir des grands projets fédérateurs. Garde bien en tête. Un artisan du succès. Faire du travail avec passion, être visionnaire, minutieux, régulier à l'extrême. Faire de la tripote une liberté. Oui, car. Entrer dans un autre monde. Transformer le quotidien. Ne pas brider son ambition. Se maintenir à un très haut niveau. Il faut que je change. Consensus. Énergie. Continuez à progresser. Pas de retour. Oui, ça. Intérêt national. Allô? Il y a plus d'héritage. Pas le droit de perdre. Mosca. Si bon. La foi dans le progrès est essentiel. Poussez à croire en l'avenir. Cesse. Poussez à se dépasser. Mais toi, là.
Nicolas. Allez. Faut regarder ce que tu fais. Nicolas, est-ce que vous pouvez me manipuler que je puisse voir ce qu'il fait? On va bien voir ce qu'il fait, Nicolas. Merci. Qu'est-ce que c'est, Nicolas? J'ai trouvé ça dans le déménagement. Des plus peur. Des quoi? Oui. C'est quoi ça? Montélimar. Nicolas Fréchepès. Et à gauche. Tendre fumée. À penser. C'est ça. Et après, je pense que j'ai oublié ma lunette, Nicolas. C'est pas trop. J'entends pas. Tu m'entends pas? Je sais pas, je cherche. Je pense que j'ai oublié sa micro. Je cherche des traces. C'est beau ça. Deux oiseaux. Une boîte vide. Je ne veux pas raconter, Nicolas. Oui, raconte, s'il te plaît. Comprends pas. Je découvre. C'est le passé que j'ai pas pu trier. Le passé que j'ai pas pu. Ça fait penser aux nuages, aux clouds. Ah. Trier. Et je pensais au cloud. Je cherche. Il y a des tonnes de choses à trier. Une photo. Tu veux pas me. Une photo. Annie? Oui. Dis-moi. Qu'est-ce que tu vois? Je vois trois polichés. Au milieu, il y a mon frère. C'est quel ton frère? Je sais pas où il est. Au milieu. Plus près, Nicolas. Plus près, s'il te plaît. On va pas la tête. Voilà. Presque. Voilà. Ok. Ah. C'est ton frère donc. C'est ton frère donc. Merci. Je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Il s'occupait de la sécurité. Ben oui. Mais c'était horrible pour lui. Parce que toi, t'es en apesanteur à nous. Lui, un jour, il a pris une échelle pendant son service militaire et est tombé. Il est tombé. Il s'est fait super mal. Ouais. Et il était très stressé parce qu'il détestait ce service militaire. Ah, regarde. C'est super nous, hein. Regarde. Oui, je regarde. C'est encore ton frère.
Non. Non, c'est des photos que je trouve là, je vais me... de trouver des trucs, je ne sais pas qui sont ces gens. C'est ma famille. Ah. Alors j'ai décidé d'ouvrir un carton avec toi. Et je vais te montrer plein d'images, mais regarde, regarde. Oui, je regarde. Il y a trop de choses. Nico, ben oui, je pense, on va prendre un autre rendez-vous. Hein. Oui. Ok. Demain? Mais tout est là maintenant. Ah. Mais tu le montreras demain. Ok. Ok. Ciao Nico. Ciao Nico. Ouais, mais tu vas retomber sur Terre. Pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite, hein. J'espère pas. Ciao. 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 Bye bye Annie. Bye bye Nicolas. Bye bye Nicolas. Même dans l'espace, il faut se reposer de temps en temps, non? Encore plus doucement. Encore plus doucement. Un tout petit peu plus doucement. Ah. Ah. Voilà. Et essayez de lever les bras un tout petit peu plus haut, mais en faisant très attention à la sécurité de nous. Essayez d'imaginer que vous avez des roulettes à la place des pieds. Essayez un matelas presque fluide. Tu peux me montrer un tout petit peu mieux le vaisseau, Ali ? Un petit peu mieux. Dans les vaisseaux ? Oui. Je pense que oui. Montre. Est-ce que vous pouvez montrer le vaisseau ? Voilà. Un lorry. Super. Est-ce que vous arrivez à changer les niveaux comme ça, d'une manière plus rapide? Doucement, un bichon. C'est bien si vous mettez les deux mains, je pense. Puis de ralentir petit à petit. Et puis même de vous arrêter tout doucement.
Et puis de finir. Et quand vous n'allez plus toucher à nous, voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que ça fait de se séparer comme ça? L'espace. Contente. C'est bon. Super merci aussi à la partie de l'équipe qui était là derrière, parce qu'il en faisait autant partie que ceux et celles qui étaient ici. Et, bon, merci pour ce voyage.